Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on ouvre des petits cadeaux. Parce que c'est vrai qu'en ce moment j'offre pas mal de cadeaux. Donc n'hésitez pas à me soutenir sur Utip et me laisser un petit message avec votre pseudo. Voilà, donc généralement je le fais en live mais il m'arrive aussi d'offrir des cadeaux en dehors des lives. Donc n'hésitez pas, on sait jamais et puis c'est gratuit. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir des petits cadeaux et du coup on va ouvrir des cadeaux de couleur bleue je pense, on va partir là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel cadeau vous voudriez que j'ouvre la prochaine fois, donc c'est pas seulement obligé d'être des cadeaux de couleur, ça peut être très bien la personne qui me l'envoyait, par exemple je sais pas, j'ouvre les cadeaux des personnes blondes etc etc. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire simple pour la reprise de mes vidéos et de partir sur des cadeaux bleus. Ça m'a bien fait rigoler, mais juste avant de lancer la vidéo, bah, j'ai vu ça, je suis cacapuche. C'est quoi ce profil? Attendez, on va aller voir juste ce profil. Vive le caca qui pue, vive Madame Toilette. J'adore. Il faudrait que... Ouais, tiens, je demanderai à Madame Toilette d'ouvrir ses cadeaux, de faire une vidéo là. Ça fait longtemps qu'elle fait plus de vidéos, cette Madame Toilette là. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et je suis désolée, hein, vu que je ne suis plus VIP, je ne peux plus vous envoyer de demande. Je peux plus vous accepter, donc je suis vraiment désolée. Il faudrait que je me remette VIP à un moment donné. Allez, c'est parti, on ouvre les cadeaux bleus. On va ouvrir les deux cadeaux de Billie Eilish qui sont bleus. Et comme d'habitude, on les porte. Franchement ça me donnerait envie d'ouvrir les deux cadeaux là parce que ça se fait, Billie elle m'a envoyé, elle m'a peut-être envoyé une tenue complète là parce que je vois que déjà les cheveux, déjà en plus c'est très beaux cheveux, je vais les garder parce que la frange ses cheveux, en plus en ce moment j'ai les cheveux bleus, bon je me suis fait les bouts violets des cheveux mais bon le violet de toute façon ça part assez vite et ça devient du bleu de toute manière. Bon, en tout cas merci, merci, je peux plus même envoyer d'auto parce que j'en ai envoyé juste avant et je suis plus VIP, super. Bah ouais, je pense qu'elle m'a envoyé une tenue complète et je pourrais... Mais bon, au moins j'ai la coupe complète, c'est déjà ça. Et on part découvrir les petits cadeaux bleus. Donc je rappelle, n'hésitez pas également de mettre en commentaire les moments de la vidéo où je rate des cadeaux bleus, parce que ça peut arriver. Ah, c'est trop bizarre là, c'est trop bizarre. Mais parce que le but aussi, c'est de porter tous les cadeaux bleus que j'ouvre. C'est quoi ça? Ah, c'est dans les cheveux? Oh, c'est chou. C'est la même couleur, exactement la même couleur que les cheveux. Et là, il y a aussi un autre cadeau bleu. Hop, on va porter. J'avais un look jusque maintenant, mais mon look, il a disparition. Totalement, là. Je ressens plus à rien, putain. Alors, ici, un beau petit cadeau bleu ciel. Sympathique. Je ressemble à une puce. Bon, là, c'était du vert, hein, n'est-ce pas, hein, tout à l'heure, hein. Hop, oh mon dieu, mais c'est horrible. Mon look, il est horrible. En même pas 2 minutes, mon look, c'est devenu nawak. C'est devenu nawak. Attendez, je reviens en arrière parce qu'effectivement, il y avait un cadeau bleu. Il est bleu, hein, même si la décoration, enfin le petit nœud papier, il est violet, ça reste un cadeau bleu, donc je l'ouvre. Et une petite animation sympa que je n'avais d'ailleurs pas et elle a l'air bien sympathique. Donc ça, on est d'accord, c'est du vert. Ça, c'est du vert menthe, hein. Voilà, alors celui-ci, on ouvre animation. C'est vrai que les cadeaux bleus avec le nœud pas violet, souvent c'est des animations ou des trucs un peu spéciales. Ou quoi encore, je ne sais plus. Bon, ça c'est du bleu. Enfin, c'est un peu du bleu vert quand même, mais ça reste du bleu. Je préfère l'ouvrir parce qu'après on va me dire, oui, t'as oublié un cadeau et tout. Allez, on ouvre celui-ci. Bon, c'est rien que je le porte parce que je le porte déjà le même. Regarde mon message STP. Ça se porte? C'est où? C'est un tatouage? Bon, attends. Exceptionnellement, on va regarder son message. J'ai un petit peu peur. J'espère que c'est pas une demande de VIP, hein. On va voir, ce PM2 serait tellement le bonheur pour moi. Alors, attends. Attends, on va commencer là. Avant que tu vas pouvoir lire mes messages un jour, j'aimerais tellement que tu me répondes un jour. C'est vachement égoïste, je sais que tu as tellement de messages, mais voilà, ce sera un de mes rêves. Je sais, c'est vachement... Je suis une ancienne MSP, j'avais un ancien compte, on avançait dessus avec ma meilleure amie quand on était plus jeune, mais je l'ai perdu alors qu'on avait super bien avancé. C'était il y a un moment déjà, il y a peut-être 3 ans, mais aucune de nous deux se souvient de tu sais quoi, et aujourd'hui je me suis recréé un compte et je repars de zéro. Là j'essaie d'avoir un max de 50 pour m'acheter un Audrey pour faire des cadeaux.
à un compte qui me le rend. Et du coup, je montrais de niveau, mais je galère. Je suis qu'à 10 000 Starcoin, mais c'est bien 10 000. Par contre, si tu veux gagner un match de Starcoin, je t'invite fortement à aller faire les chambres pour les boonies. Mais j'aimerais trop pouvoir monter de level comme sur mon autre compte. J'aimerais tellement que tu montes, ça me remotiverait à continuer d'avancer mon level si tu me répondais juste un peu. Si ok me ferait du bien, j'aimerais tellement que tu vois mes messages. Oui, ce serait tellement un bonheur pour moi. Bah écoutez, c'est mignon. Franchement, je m'attendais à fais-moi VIP. Mais voilà, je vous montre son petit profil, la bichette zombie. Donc je suis désolée, je peux pas t'accepter. Comme tu vois, je ne suis plus VIP. Et il faudra que je me remette VIP. Du coup, entre temps, là, je peux plus accepter de demande d'avis. Donc je suis désolée. Mais par contre, voilà, si vous pouvez envoyer un petit autographe à Bichette Zombie, envoyer des petits cadeaux et tout ça pour déjà que ça lui rentre le moral, que ça l'a motivé tout ça à recommencer son compte et à rester sur Movistar Planet, hein, parce que voilà, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de joueurs sur le jeu et franchement, ce serait cool que, voilà, quoi, qu'on s'entraide un petit peu là dans ce jeu. En tout cas, voilà son profil Bichette Zombie. Je vais lui répondre quand même. Je vais dire bon courage. Je vais faire un gros bisou, hein. Bon, c'est dommage qu'on ne peut pas envoyer des Starcoins, je lui ai envoyé un petit cadeau. Mais c'est dommage qu'on puisse pas envoyer des Starcoins, hein. ce serait abusé peut-être. Mais en soi, soit pour offrir des cadeaux, pourquoi on pourrait pas offrir directement des Starcoins, enfin, dans tous les jeux, on peut donner de l'argent et tout, donc ça aurait été bien si on puisse offrir des diamants, des Starcoins et tout, parce que du coup j'aurais pu lui en offrir, mais... Là on va offrir un petit cadeau, mais bon... Alors... Le problème c'est que je crois que j'ai trop de... De drip là sur ce compte là en fait. Du moins dans les... J'ai offert tous mes derniers drips je crois sur de mes premières pages sur le game. Je peux envoyer de cadeaux VIP. Est-ce qu'on peut lui offrir de cool? Je vais essayer d'avancer un petit peu. On sait jamais, avec un petit peu de chance, que je tombe sur un cadeau VIP. Pas VIP, drip pardon. Mais honnêtement, ça m'étonnerait parce que j'en ai offert pas mal sur ce compte là. Et je sais même pas si j'en ai encore. Je pense qu'il doit y en avoir des drips ou des pixels cachés. Plutôt des drips, hein, parce que pixels c'est trop récent. Et dans mes dernières pages, je les ai déjà tous offerts. Mais peut-être un drip dans mes anciens cadeaux. On sait jamais. On va aller voir, hein. On sait jamais, au pire j'offrirai un autre cadeau, mais... J'aurais bien aimé lui offrir un petit drip, ça pourrait l'aider, quoi. Aïe. Donc, peut-être dans les cadeaux plus loin, mais... I am not sure about that. Apprenez l'anglais, hein. Pas qu'à moi. Non, ça, c'est les rares de... C'est les rares de tonnes. Sinon, je lui offrirai la robe du pack, là. Mais vu qu'on l'obtient au level 10, c'est plus trop une robe rare de pack, hein, j'ai envie de dire. Allez, franchement, là, j'aurais kiffé tomber sur un drip, là. Bon, au pire, j'irai voir dans ses souhaits. Je lui envoie un souhait. J'espère qu'elle a un souhait. J'espère qu'elle a un souhait. On arrive carrément au truc de Noël, quoi. On arrive carrément au cadeau de Noël, là. Ça pue du huc. Attends, qu'est-ce que j'ai vu, là? Ah non, j'avais pensé, j'avais vu un truc sympa, mais pas du tout. Au pire, j'offre quand même un cadeau sympa. Si je tombe sur un cadeau, cette jolie robe. Et je vais voir si elle a dans ses souhaits un petit drip, hein, on sait jamais. Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Bah alors, qu'est-ce que j'ai fait? Son profil, il veut pas s'ouvrir, wesh. Wesh. Bichette zombie. Ah bah c'est parce qu'il est en dessous, c'est moi. Putain, comment il google. Alors, on va lui offrir... Du coup, je pense que je vais offrir la jupe, parce que c'est ce qui vaut le plus cher. 75 000. On va lui offrir cette jupe. Voilà, ça pourra déjà l'aider. Si la jupe veut bien s'envoyer, s'il vous plaît, Movistar Planet. On va y arriver. Bon, à la base, c'était censé être une vidéo « J'ouvre les cadeaux bleus » et finalement, c'est moi qui offre un cadeau bleu, quoi. Allez, on retourne rapidement. On va offrir quand même quelques petits cadeaux bleus encore. Bah tiens, entre temps, on a reçu un petit cadeau bleu. On va l'ouvrir, je t'adore, je t'aime, Quinzel. Oh, merci. Et du coup... Je
crois qu'il va falloir que j'aille plus loin, parce que du coup, là, tous les cadeaux bleus du début, je les ai ouverts. Faut que je retourne là où j'en étais. Bon, bah, on va retourner là où on était à peu près. Attends, je reviens en arrière, parce que... Voilà, ça, c'est du bleu, enfin, bleu gris, mais du bleu quand même. Donc, on va l'ouvrir. Oh mon dieu, mais ce look, il est totalement dégueulasse. Ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est dégueulasse. Bon, après, je pense que je vais quand même remettre un look, hein, parce que là, ça va plus. Hein. Bon, là, c'est du vert. Ah, merde, attendez, je reviens en arrière, j'ai vu. Hop, le plus fort, attends. C'est quoi ce profil? Bon, je vais pas mettre le robot, parce que, hein, mais... juste pour voir le profil le plus fort du monde. Alors, j'aime bien. Le plus fort, déjà, écrit magnifiquement bien. Vraiment, très, 10 sur 10. 10 sur 10 à la dictée, les gars. C'est quoi ce look? Il est flippant. I'm Gogo Danseur. So, anyway, hein, allez voir mon artbook. J'ai vu le Loch Ness. Bon, écoutez, vu que la vidéo, elle dure déjà assez longtemps, pour finir, on va aller voir l'artbook de le plus fort du monde. Allez, on va aller dans son profil. Alors, on va aller dans les artbooks. Les artbooks, c'est là, c'est petit pinceau. Swag à coco. Like si je suis beau de tous les côtés. Allez, on va liker. On va liker. Mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Le mec, il a quand même fait des gros plans sur ses yep, quoi. Il a fait un gros plan sur ses yep. En plus, le maquillage. Oh là 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 là. Oh my god. Attends, j'ai envie de voir. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, il y a des commentaires sur ce... Moche. Non. Oh my god, c'est beauty de mes rêves. Je tombe amoureuse là. Oh non, 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 non. Trop bégé. Oh my god, je me pète tellement magnifique. Je fonds OMG. Comment on fait pour déliker une photo? Attends, on peut pas déliker en plus. Elle a liké, elle est deg. Je vais partout frère, c'est ouf. Wow. Je vais dire... Mashallah, ma chérie. Ti est magnifique. Attends, j'ai mal écrit. Magnifique. Voilà. Petit commentaire. Ah, mon chat, il tombe. Voilà, bah écoutez, sur ce magnifique arbre des familles, on va finir cette vidéo. Et moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time.